Et yo tout le monde, alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on répare une ampoule. Donc cette fois je le fais vraiment parce que là j'ai pas envie de tout péter. Donc là maintenant je vais vous montrer l'ampoule à la base. Donc c'est celle-ci qu'on va réparer, donc pour voir que les électrodes sont bien noires. Donc elle est enfin de fille. Là, j'allume. Un foufoutite, ça fonctionne. En vrai, il n'y a que les électrodes qui s'allument. Donc, ça veut dire que normalement, ça veut dire que ce condo là, il est mort. Du coup, j'ai un peu en récupéré un dans un autre balade d'une autre ampoule que j'ai explosé. Donc, maintenant, j'ai trouvé un moyen de recycler l'ampoule. Donc, là, je vais le faire à souder. Donc, je vais déjà dessouder l'ancien condo de cette ampoule. Normalement ça devrait être ça. Attendez, le fer à souder n'est pas encore très chaud. Je vais essayer juste de enlever l'ampoule de son support là, parce que c'est chiant. Déjà un fil de coupé. Et attention l'autre. Attendez, je coupe juste le fil là. Parce que ce fil là, il faut vraiment que je le coupe. Parce que sinon ça va me saouler. Voilà, c'est bon. Donc j'ai enlevé le culot, un cutter. Donc mon fer à souder il est là. Donc on va maintenant. Donc j'ai jamais testé de changer le condo, mais on m'a dit que c'était ça. Ok, donc je sais quelle bande c'est. Normalement c'est ça. Ben je crois pas que c'est ça en fait hein. Merde, attendez je vais regarder. C'est ça. Vous zoomez un peu sur le circuit. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est dessoudé. Donc ce circuit, je vais récupérer encore tous les autres composants, mais pas dans cette vidéo. Donc voici le condensateur. Donc c'est un condensateur. volts, 2,8 microfarad. Et dans cette ampoule, du coup, là, ça va être un peu plus compliqué de le dessouder, non?
truc, c'est qu'il faut pas que je me trompe de borne. Non, c'est bon, je sais lesquels c'est. Je zoome un peu sur le circuit. Merde, j'ai un peu cramé l'ampoule. Donc voilà le condo. Ça c'est un 2,7 microfarad, donc c'est bon. Donc le nouveau condo, on va devoir le souder. Attendez, je prends. Je vais dézoomer. Je vais juste mettre le condo dans son emplacement. Donc attendez. Attendez. Il faudrait que je cherche un outil qui est où ? Un outil, ouais. Ah, j'ai mon nez. Là, j'ai mon étain. Qu'est-ce que j'ai dézoomé ? Oui. Je vais juste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je veux dire ? Comment ça se dit ? Attendez. Okay. Je suis pas concentrée là. Je suis concentrée avec mon truc, donc du coup je suis pas concentrée dans ce que je dis. J'ai un pot avec plein de condensateurs. Là, mais je vais juste récupérer l'isolation. Ça sur un deux. Pour mettre sur les pattes de celui-ci. Voilà. Il y a l'isolation dessus. Donc maintenant, on va. Attendez. Je suis en train de faire de la merde là. C'est pas bon ce que je fais. Attendez. Non, on s'en bat les couilles ici, tout ça c'est relié ensemble, mais. Ça risque un peu d'être compliqué de souder le nouveau condo. Hein. Voilà. Ah merde, bon, il y a une isolation qui est tombée. Juste faire une ellipse le temps que je soude le condo parce que ça me saoule. À toute. Voilà, donc on se retrouve. Donc j'ai soudé le condensateur qui tient bien. Donc je l'ai soudé derrière là. Là et là.
Donc du coup, passons au test. Hein. Donc je ferme l'ampoule. Voilà. Attention, j'envoie les gens. Du coup, ça a rien changé. Et l'ampoule s'allume toujours qu'aux électrodes. Donc, du coup, c'est dans le groupe de réparation qui est joué. Je vais encore essayer de la réparer, mais là, vous pouvez voir l'ampoule. Bon, voilà, je me suis fait chier à souder un condensateur pour rien. Donc, j'ai un condensateur qui fonctionne finalement. Voilà. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo là. Voilà. Allez! Bon, attends. Je vais dire ciao, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ciao plus sérieusement. C'est une Philips. Allez! Ciao!